C'est une question de bon sens, en fait. Voilà. Même s'il y a des raisons sous-jacentes de politique, c'est une raison de bon sens. Voilà. J'en suis par rapport à tout ça. Salim veut monter. Alors, Salim, tu veux peut-être nous parler du PSG. Explique-nous, je peux monter s'il te plaît, bien avec plaisir. Salim, en direct, bienvenue à toi, Salim. J'espère que tu vas bien. Tu es d'où? Dis-moi, dis-nous tout. Bonjour, bonjour, tu es beau. Oh, enchanté. Ça va? Je Ouais, suis de Marseille. tu es de Marseille, alors Oh, explique-moi, ouais. quelle est ta question? Qu'est-ce qui t'amène dans le Dej Foot aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses du carton bleu Ah, pour le le... carton bleu, très bon sujet dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Ce que je peux te dire, Salim, c'est que je pense que ça peut être une bonne solution pour que les joueurs arrêtent de gueuler après l'arbitre. Et ça, franchement, je me dis pourquoi pas tester, tenter. C'est essayer dans plein de matchs amateurs C'est adultes. vrai, c'est testé dans pas mal de divisions inférieures. C'est testé dans pas mal de divisions inférieures. Mais est-ce que ça peut apporter une plus-value dans le jeu? Non, dans le jeu, tu as peut-être raison. Ça pourrait encore plus agacer certains acteurs. Ça pourrait, à la télé en tout cas, créer encore plus de ralentissement et d'incompréhension du jeu. Tu zappes sur un match, tu vois une équipe qui a 8, tu comprends plus rien. Puis il y a des joueurs qui rentrent, d'autres qui sortent. Je vois ce que tu veux dire, Salim. Et c'est une très bonne remarque de ta part parce que là-dessus, c'est mon seul point négatif. J'ai envie que les joueurs soient plus respectueux de l'arbitre. Donc je me dis, c'est cool. Mais là-dessus, tu as Oui. raison. Ça peut créer des allers-retours incessants, un bazar total, une équipe. Oui, c'est ça. Il faudrait pas que ça dénature le football en montant. Ouais. Mais tu sais, par rapport à ta remarque sur dénaturer le football, etc., moi, j'essaye, même si je vieillis, de ne pas être le vieux con, tu vois. Je me dis, bon, il y a des Ouais. nouveautés, j'essaye de dire, enfin, j'essaye de penser qu'il faut avancer avec son temps et que si là, les footballeurs ne respectent pas les arbitres, il faut leur trouver absolument des solutions pour que ça aille mieux. Mais est-ce que c'est la bonne? T'as Je sais pas. raison. Tu vois, j'aimerais t'alerter sur un autre point. Parce Dis-moi. que je sais pas si tu te rappelles de moi. À l'époque, je faisais des lives sur une chaîne marseillaise avec Fredo de Marseille et Monsieur Radis Ouais. Alors, Deroual sur le sujet de la vente. ouais, dis-moi. Bah, je veux pas te dire de dévoiler les secrets de tes sources. J'en ai quelques-unes Ouais. au placé à Marseille. Donc, en effet, moi, je peux certifier à mon échelle qu'il y a des discussions. Il y a quelque chose, il y a un intérêt prononcé de l'Arabie Saoudite pour acheter l'OM. Oui. Ça, ce sont tes infos? Oui, ça c'est clair. Et même si je suis personne et j'ai pas de grosse communauté à Marseille, je fais beaucoup de choses dans l'associatif, beaucoup de choses pour les personnes handicapées. Donc, moi, je suis sûr de mes sources. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que si c'est d'accord avec moi, l'officialisation, avant de la connaître nous, elle doit passer en mairie. C'est bien résumé la situation, même si moi, pour mes nombreuses dizaines de sources, on n'est plus du tout au stade des négociations ou des discussions avec le Royaume saoudien du tout et que tout est acté au niveau du club. En revanche, quand tu parles de la mairie, quand tu parles donc de politique, quand tu parles de l'OM, l'OM est un tout petit poids au niveau de ce deal et le deal est beaucoup plus global puisque c'est Oui, politique, c'est ça national. aussi, j'ai Voilà. entendu, c'est vrai, les dangers écologiques. Mais avant que ça vienne à nos oreilles ou aux oreilles des médias,
C'est à l'obligation de passer en main au conseil municipal. Alors ça, c'est pour le stade, en effet. Là, tu as raison, pour le Oui. stade, avant même qu'il y ait une prise de décision finale et donc une communication publique via médias, etc., il faut que ça passe en conseil municipal Voilà, et que ce c'est soit ça. voté. Et ça, c'est la réalité pour le stade. Pour le club, en revanche, on peut nous l'annoncer du jour au lendemain. Et là, ce sera autre chose. Mais le stade arrivera juste après le club parce que le club, c'est la première annonce qui devra avoir lieu. C'est ça. Par contre, moi, je suis abonné au Vélodrome depuis que j'ai 12 ans. J'en ai 38. J'en ai 38 maintenant. Je suis abonné au Handu 22. Et je suis très déçu du jeu de l'OM et de la mentalité des joueurs. Ah, Parce oui. que pour moi, l'effectif est pas si mauvais que ça. Par contre, ce qu'il y a de mauvais dans cette équipe, c'est la mentalité. Ah ouais, tu penses que c'est... Moi, je ne suis pas tout à fait Oui. d'accord dans le sens où la mentalité, elle joue et il y a certains joueurs qui baissent la tête, ça, c'est pas bon. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas assez complémentaires les uns par rapport aux autres et que le fait d'avoir fait partir de grands leaders d'effectifs comme Guendouzi, comme Payet, a été dramatique et n'a pas été compensé. Donc, c'est pour ça que même s'il y a du talent dans cette équipe, là, je te rejoins, c'est pour moi, il y a des gros manques et il y a des erreurs de fait qui ont été stratégiques. Salim, on me dit dans les commentaires que tu as été sur l'album de l'Algerino? Ah ouais, énorme. J'ai été souvent pour moi dans ce club et je connais très bien Arsène Koulamérian que j'ai eu la chance de côtoyer à la boxe puisque j'ai fondé le handibox à Marseille et il a parrainé cet événement. Ah, Arsène, c'est la famille Arsène, je l'ai encore eu ce Oui, matin. Enfin, lui, très il est très aussi. très 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 gentil. C'est là, il s'entraîne là à côté de Los Angeles dans les montagnes à Bear Lake pour défendre sa ceinture de champion du monde en mois de mars face à un Oui, redoutable Mexicain. c'est vraiment un brave mec et c'est un mec très humain et très investi dans le monde associatif. Et ben, ça me fait très très plaisir d'avoir cette discussion globale avec toi, Salim. Écoute. En tout cas, moi, je pense et je suis sûr que tu as raison. En tout cas, j'admire ta persévérance et le fait de ne pas avoir dérogé du tout. De ta ligne de conduite. Maintenant, je ne sais pas quand ça sera dévoilé, ni comment ça sera dévoilé. Mais en tout cas, je sais que le poids des critiques est lourd des fois pour toi dans le choix que tu as fait. Mais pour moi, en connaissant, je sais pas les infos que t'as, mais je me dis que si tu étais faux, tu t'aurais pas mouillé autant. Merci Salim, merci beaucoup, c'est très touchant ce que tu me dis. Et tu sais, bah, depuis le début, c'est cette transparence que je voulais avoir, ces informations que j'ai depuis très longtemps. Et pourquoi j'ai continué, bah, c'est aussi pour des moments comme ça et des témoignages comme ça de ta part, parce que j'ai eu la chance d'avoir le bon réseau, d'avoir pas mal d'infos, d'avoir la confiance de beaucoup de gens qui m'ont confié leurs infos, de ne pas tout dire aussi quand il fallait pas tout dire. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai autant de certitude sur le fait que ça va arriver, que c'est obligatoire. Et donc, c'est pour ça qu'avec le cœur, je peux le dire, c'est certain que ça va changer d'air. Maintenant, quand je n'ai pas la date, et tant mieux, ça nous laissera la petite dernière surprise, comme la fin d'un film. Mais en tout cas, ton témoignage me touche beaucoup. Je veux que tu reviennes quand tu en as envie dans le déchefoot chez toi. Et on reparlera de tout ça. Merci. Quand je descendrai à Marseille, peut-être qu'on pourra se croiser aussi pour fêter Oui, ça. parce que Parce que. je côtoie beaucoup Fredo, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est un ami à moi. Fredo, qui a le garage. Et je travaille beaucoup avec les Winners. Je suis très proche de Rachid, donc des gens de la mairie. D'accord, je vois très bien. Eh bien, écoute. On connaît certaines personnes en commun alors, et c'est que tu dois être une très bonne personne. Merci. Prends Beaucoup soin de toi. de très très beaux messages dans les commentaires également. Merci Larome, vous êtes formidable. On va continuer les sujets de l'émission et Salim, en tout cas, sache-le,
tu déchires, comme le dit Goldinho, par exemple. T'es le boss, dit Kader. Et Merci. on se Merci la Rome. Merci la Rome. Prenez-en vous. Et allez loin. Ouais, à très très bientôt. Merci Salim d'être là. Ciao, ciao, tu m'en prends de toi, frérot. Ciao. Soin de toi, toi aussi. Merci beaucoup à Salim. Très touchant d'être monté en direct. Super discussion, super arguments, comme souvent. C'est un passionné de l'OM. Donc, pas facile après ça de prendre la suite. de prendre la suite. Mais ouais, on va lui envoyer le félicitation, la version longue de Daniel Leclerc, parce que encore une fois, il a fait une super intervention. C'est pour toi, Salim. Félicitations. It's incredible, hein? Félicitations. Una trofeo para usted. Muchísimas gracias. Ok. Parce que Daniel, vous pouvez nous refaire le félicitations, parce que c'est comme ça, ça se dit comme ça en espagnol. Félicitations. D'accord. Si, si. Okay. Ah ben ça, je peux vous. Ce genre de gars aussi brillant que qu'est Salim, ça permet dans la vie, les amis, pour tous les trolls, les haters, ceux qui n'ont pas de vie, qui bavent sur les réseaux, qui jugent sans connaître, etc. Ça permet de garder les épaules sur la tête. Ça, c'est important. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Voilà, toujours avoir les épaules sur la tête. Allez, les amis.